DJ Stéphane, Balamwange, Congo ya Lumumba, Congo, Tafachi Beton, Tangwe Koki, oh yo yo, Tangwango yango yo ye Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwange, oh ye ye. DJ Stéphane, Balamwange, Congo ya Lumumba, Congo, Tafachi Beton, Tangwe Koki, oh yo yo, Tangwango yango yo ye Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwange, oh ye ye. Bien, merci. Nous sommes encore en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comme promis, Jésus en collé de retour pour vous parler encore des questions de taille sur le plan politique et sécuritaire, Bandeko, et vos apaisements. Jésus est de retour. Jésus revient bientôt, mais le petit Jésus est là. Je ne suis pas le Jésus-Christ, mais je suis le Jésus en collé congolais des pères et des mères. Ça continue toujours à bouger. Écoutez l'information de taille. Si je parle le même langage avec la régie, prenons la photo de Constant Mutamba. Est-ce que Constant Mutamba est encore là ou bien il y a un très sérieux problème concernant Constant Mutamba? Je peux aller rapidement. RDC, Irigeant, testé positif au poison, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, était évacué à l'extérieur du pays pour recevoir des soins médicaux. Constant Mutamba est réellement empoisonné. C'est du théâtre, c'est du novelas. Précision dans cette émission. Nous allons voir des toutes dernières vidéos par rapport à l'évacuation de Constant Mutamba au niveau de l'étranger. Hier, après Conseil des ministres, c'était le 9 septembre 2024. Hier, c'était le lundi. Aujourd'hui, nous sommes les 10 au mardi. Constant Mutamba n'est plus au pays. Il est allé recevoir des soins au niveau de l'Europe. Est-ce que c'était important et nécessaire de mettre cela sur les réseaux sociaux, Naba Télévision? Précision dans cette émission, Ninyeza Oleka. Ninyeza Oleka, derrière toutes ces choses, précision, Bozanakimia. Naba image à avion Bimi. Bandeko Bosomo Namakambusiko, une émission à bout. Alors, la deuxième information, Namakambutoro Loba Paske, tu es bisakibino dans la première édition, jeudi encore à 10h. Le voyage du président de la République na Chine, retombe nango, palpable et ça se matérialise. Boyo Kasiko, est-ce que Piro Chubang ou je peux lire? Merci beaucoup. On nous dit ceci, Masisi, des points, le M23 RDF AF armée rwandaise délogé de Mweto par les Wazalendo, un déplacement massif des populations signalées. La population civile au niveau de Masisi à Mweto se déplace d'une manière terrible. Parce qu'il y a des bombes, il y a des missiles, il y a des attaques organisées et orchestrées par les Wazalendo. Moi, je suis d'accord avec cela. C'est une manière de protéger les territoires nationaux. Même la Constitution le dit. Tout Congolais a les droits, tout Congolais a les devoirs. Accepter le mot encore, le terme que je n'ai pas employé là. A les droits de défendre ou encore de faire échec à tout individu ou à l'ingas sur le pouvoir par la force. Kabila veut revenir dans ses pays par la force. Les Wazalendo sont là pour contrecarrer toutes les idées machiavéliques de Kabila. Oui, c'est ça. Kabila utilise les langues. Et vous allez voir et écouter les réalités du terrain. Nous serons en direct des fronts. Merci beaucoup, Nabandeko Baza, Otalabiso, des secrets. Et Bélé à justice et Robima, l'émission Oyo. Nous allons parler justice, nous allons parler sécurité comme d'habitude. Alors, Jésus en collé ne sera pas seul sur ce plateau. Je suis ensemble avec monsieur Dieudonné Panou. Il est le secrétaire national chargé des communications du parti politique ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, en sigle ALDEC, un parti politique qui a comme autorité morale madame princesse Adelka Indamaina, la députée nationale élue de la circonscription électorale de Sandoa au niveau de la province de Lualaba. Alors, messieurs Dieudonné Panou,
Bonjour, comment vous allez? Bonjour Monsieur Jésus, je me porte bien. Bonjour à tous les compatriotes, Bonjour à tous les camarades de la DEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Bonjour à ma princesse Adela Kaïnda Maïna, honorable députée nationale, ministre d'État, ministre du portefeuille honoraire, une femme au leadership rare, voilà. Une femme dynamique, l'étoile verte de Sandora, qui a voilà. fait un travail, l'étoile verte, je peux me dire de la RDC, oui. qui a fait un travail de titan au sein du ministère du portefeuille, oui. par en apportant des réformes de haute envergure à tous les problèmes qui minaient le fonctionnement des entreprises publiques. C'est une femme digne, compétente et compétitive. Mon autorité morale. Très bien, là c'est monsieur Dieudonné Panou. Pour rappel, il est secrétaire national chargé des questions communicationnelles du parti ALDEC. Alors, nous allons traiter certaines questions de justice et de sécurité de la République démocratique du Congo. Parlons d'abord de la sécurité parce que nous lui recevons sous des casquettes. Il est d'abord politique, mais nous lui recevons aussi sous casquette des secrétaires nationaux de ALDEC. Mais parlons d'abord politique. Na casquette naye ya analyste politique comme vous le voulez. Alors, nous avons un très sérieux problème de la justice au monsieur Dieudonné Panou dans notre pays. Nous voyons à l'époque de Kabila avec l'arrivée du président Tshisekedi à plusieurs reprises, le président Tshisekedi a fait certaines déclarations en disant que notre justice est malade, notre justice est morte, nous devons redynamiser. Nous devons faire en sorte que notre justice soit debout. Alors aujourd'hui, quels sont les problèmes qui rongent réellement la justice congolaise pour arriver jusqu'à ce niveau? Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, lui avec le Conseil supérieur de la magistrature, rien ne va, rien ne marche. Aujourd'hui, on nous dit, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, est empoisonné. Il est présentement au niveau de l'Europe pour des soins médicaux. Qu'est-ce qui s'est passé du théâtre, les scénarios, les novelas, films nigériens, ou encore c'est de la pire réalité au niveau de la politique de notre pays, la justice? Oui, merci beaucoup, monsieur Jésus. Devant les micros de Tango et Koki, devant toute une foultitude des Congolais qui nous suivent, la justice de notre pays souffre depuis des années. Les mots qui rongent notre justice n'ont pas commencé avec le président de la République, Félix André Tshilombo. Oui. C'est depuis Joseph Kabila que notre que la justice est profondément malade. Le président Félix André Tshilombo, dès son accession à la magistrature suprême, a également constaté, profondément et avec regret que notre justice est tellement malade. Notre justice éprouve de sérieux problèmes. Quelle est cette maladie? Je vais y arriver. Parce que je souhaite effectivement qu'elle soit saisie. Quand nous faisons une pareille émission, elle a un caractère pédagogique. Pédagogique. Vous avez vraiment le temps. Explicité. Exact. Merci beaucoup. Alors, après maintenant, s'être rendu compte des maux, des problèmes qui rongent notre justice, les chefs de l'État souciés de l'instauration effective d'un état de droit, parce que la justice élève une nation, la justice constitue bien entendu une panacée, la justice qui est vraiment le dernier rempart de la démocratie, les chefs de l'État éprouvant les soucis effrénés de guérir cette maladie a opéré le choix sur des animateurs qui doivent intervenir dans le processus de donner
ou consistant à donner les remèdes pour guérir cette maladie. Il a nommé des magistrats qui sont des acteurs majeurs dans l'administration de la justice congolaise. Et il a nommé au jour d'aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, le ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux. Mais au-delà de toute nomination intervenue dans les corps de magistral, il n'a pas cessé de s'observer de problèmes liés au fonctionnement de la justice. Les mots ne font que continuer. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État n'a pas cessé à déplorer l'état du fonctionnement de notre justice qui fait couler de l'encre. Alors, le magistrat, le ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, est membre du gouvernement. Et le gouvernement relève du pouvoir exécutif. Les magistrats relèvent du pouvoir judiciaire. Ce sont deux pouvoirs distincts, deux pouvoirs différents. Séparés. Séparés, bien sûr, parce que c'est la séparation de pouvoirs prônée par Charles Montesquieu. Qui a les dessus sur l'autre. Aucun pouvoir n'a le dessus sur l'autre. Il s'agit de pouvoirs distincts. Ils sont égaux. Pardon ? Ils sont égaux. Mais deux pouvoirs, n'est-ce pas ? Écoutez, aucun pouvoir, n'est-ce pas, n'est au-dessus de l'autre. Ce sont trois pouvoirs distincts. Mais je répète, trois pouvoirs distincts. Si nous essayons de faire la répartition, prenons en terme des institutions. Nous avons institution président de la République, bien sûr. Institution législative, le Parlement. Okay. Nous avons institution exécutive, gouvernement, bon, les gouvernements et les cours et tribunaux. Alors, si nous mettons d'abord de côté institution président de la République, il nous reste trois institutions. Nous avons les cours et tribunaux, nous avons les parlements, nous avons les gouvernements. Entre ces trois pouvoirs, quel est ce pouvoir qui a... quelle est d'abord la répartition par rapport à... Je vous comprends, mais ce qui est vrai, par rapport au niveau, hein, au niveau des capacités, des compétences. Non. Chaque pouvoir, n'est-ce pas, a les compétences qui lui sont propres, a ses prérogatives. Il n'y a pas effectivement confusion à ce niveau des choses. Il faut dire que nous avons trois pouvoirs. Nous avons le pouvoir exécutif, n'est-ce pas, le pouvoir exécutif. Nous avons le pouvoir législatif. Et nous avons le pouvoir judiciaire. Donc chaque pouvoir a ses prérogatives, a les compétences qui lui sont propres, qui n'ont pas à confondre avec celles des autres. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir judiciaire, n'est-ce pas, et le pouvoir exécutif. Maître Constant Moutamba, ministre d'État, ministre du porte, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est membre du gouvernement qui relève du pouvoir exécutif. Étant nommé ministre d'État, ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il est censé faire dans son secteur? Bien sûr. Parce qu'il s'observe, n'est-ce pas, un véritable problème, un certain conflit entre le magistrat et le ministre d'État, le ministre de la Justice. Et les autres vont aller plus loin pour dire... Là, on emprunte le langage, effectivement, de commun des mortels qui se dit, il y a un bras de fer. Il faut maintenant arriver à retracer de manière tout à fait parcimonieuse les prérogatives, les compétences de chaque organe, chaque institution. Mais c'est des données. Allons mollo. Disons ceci. Allons d'abord sous cet angle de feuilleton et de guerre, des bras de fer entre le magistrat et le ministre de la Justice. Il y a eu évasion au niveau de la prison de Makala. Il y a eu encore des dégâts au niveau de la prison de Bounia il y a 2-3 jours passés. Au niveau du ministère de la Justice, on dit la responsabilité est du côté de magistrats. C'est les magistrats qui sont responsables
de cette évasion au niveau de la prison de Makala. Ce sont les magistrats qui sont responsables de cette maladie de la justice congolaise. Là, ce sont les déclarations du ministre de la Justice. Alors, disons clair, qui a tort, qui a raison par rapport à cette bataille? Bon, je ne saurais pas me prononcer expressément pour dire qui a tort et qui a raison, parce que nous devons tous nous soumettre à la seule autorité de la loi. Nous devons interroger la loi, n'est-ce pas, à ce niveau des choses. Là, la loi nous fixera maintenant sur le sort, la responsabilité de tout un chacun. Est-ce que c'est le ministre de la Justice qui est responsable ou ce sont les magistrats qui sont responsables à ce niveau? Les enquêtes sont en cours pour arriver à déceler les véritables auteurs qui sont à la base de cette tentative d'évasion. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que le ministre d'État, n'est-ce pas, arrive effectivement dans le secteur qui fait face ou qui est confronté à beaucoup de défis qu'il doit relever à son niveau. Mmh. Alors, nous avons vraiment, nous sommes dans un pays où il y a un taux élevé de la criminalité ou de la délinquance. Et pour résoudre ce problème, n'est-ce pas, il faut penser d'abord à la construction des prisons. Parce que c'est l'une des solutions parce que le ministre d'État, dès sa nomination, il a dit qu'il est là pour traquer tous les détourneurs. Mais les détourneurs, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait des prisons bien construites pour que ces détourneurs soient, une fois arrêtés, envoyés en prison. Il n'y a que les mêmes prisons qui existaient depuis des années qui sont là. Alors qu'il y a eu aussi évidemment une augmentation démographique, n'est-ce pas? Une augmentation démographique de la population, bien sûr. Alors, il faut également qu'on puisse construire le prison qui serviront, n'est-ce pas, des gardes de tous les délinquants qui menacent la quiétude, qui menacent bien entendu, qui menacent la sécurité de l'État. Il s'agit bel et bien des réformes que le ministre d'État, ministre de la Justice, est censé apporter dans son secteur. Parce que quand vous accédez dans un secteur, c'est-à-dire, vous trouverez qu'il y a des problèmes de fonctionnement. Le problème sérieux qui mine ce secteur, vous, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Vous n'êtes pas là pour combattre, n'est-ce pas, les corps qui existent, le magistrat qui existe, mais vous êtes là pour imposer une certaine manière de faire les choses. Travailler de manière collégiale. Travailler, non seulement travailler de manière collégiale, mais vous trouverez qu'il y a un système, il faut chercher pour déboulonner le système, ou soit vous trouverez qu'il y a un problème d'homme, il faut maintenant chercher, comment, n'est-ce pas, arriver à transformer ces gens-là. Parce que le ministre, de par l'autorité que lui confère la loi, n'a pas le pouvoir de suspendre le magistrat. Non. Donc, un ministre de la Justice n'a pas le pouvoir de suspendre un magistrat ou des magistrats. N'a pas le pouvoir de suspendre même un magistrat, parce que le magistrat ne relève pas de sa compétence directe. Le magistrat, n'est-ce pas, font partie du pouvoir judiciaire et les chefs, n'est-ce pas, les chefs, c'est tout un corps. Et le chef de ces corps s'appelle bien le président, n'est-ce pas, les conseils supérieurs de la magistrature, qui est chapeauté par le président de la Cour constitutionnelle. Alors, les chefs de magistrats du parquet, parce que nous avons, il faut dire ainsi, nous avons trois ordres de juridiction, n'est-ce pas? Oui. Nous avons les juridictions de l'ordre judiciaire, qui sont coiffées, chapeautées par la cour de cassation. Nous avons les juridictions de l'ordre administratif qui sont coiffées par les conseils d'État et nous avons la Cour constitutionnelle. Ainsi, tous les magistrats, n'est-ce pas, du premier ordre de juridiction qui est l'ordre judiciaire, relèvent du pouvoir direct du procureur général près la Cour de cassation. C'est le procureur général près la Cour de cassation qui est habilité à suspendre, bien entendu, un magistrat
qui se trouve, bien entendu, en cas de violation ou de manquement grave à ses obligations ou soit à son serment d'honneur. Il y a vraiment des faits limitativement prévus par la loi. Parce que si vous lisez la loi sur la loi organique sur les statuts de magistrats, il est clair. Il y a effectivement, vous prenez les titres 3e sur les régimes disciplinaires, sur les régimes disciplinaires, des incompatibilités, de la retraite et des pensions. Il est clair, il y a effectivement les différents manquements ou de différents cas qui constituent les fautes, n'est-ce pas, au manquement de l'État même vraiment de magistrat. Alors, la République ne peut pas vivre au rythme de tous ces désordres. Parce que nous lisons au niveau des réseaux sociaux que le ministre d'État, ministre de la Justice, présentement n'est pas au pays. Il serait empoisonné par les soi-disant magistrats. Là, il y a un point d'interrogation. Parce que lorsque le ministre d'État, ministre de la Justice, était au niveau de l'intérieur, au niveau des provinces, pour une mission d'itinérance et ainsi de suite, son bureau au niveau de Kinshasa a été soi-disant empoisonné après enquête de la police judiciaire. Dès son retour, il n'a même pas ouvert la porte de son bureau pour essayer de travailler quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on nous dit, le poison qui était déposé au niveau de son bureau lui a déjà affecté. Et présentement, sa santé est testée positive à cette attaque. Alors aujourd'hui, est-ce la communication, la manière de faire, la manière de parler, l'attitude ou encore mode de vie sur le plan politique du ministre d'État et ministre de la Justice, c'est une bonne manière de faire? Est-ce que réellement le ministre est empoisonné? Est-ce que réellement le ministre est malade pour aller se faire soigner en Europe? Malheureusement que moi, je ne suis pas le porte-parole du ministre, je ne suis pas son communicateur. Mais d'une manière générale, vous êtes politique, et puis vous faites des analyses politiques, vous êtes un peu aussi censé d'étudier la réalité sur terrain. Le ministre n'était pas à Kinshasa. Son bureau est bien sécurisé, la police est bien installée là. Et comment expliquer, on peut surprendre un certain matin au bureau du ministre des poudres, des trucs un peu déplacés ça et là, que le bureau est empoisonné, mais le ministre était au niveau du Olomami à son retour, il n'a même pas pénétré ou encore ouvert son bureau, ainsi de suite. Après cela, on nous dit, le ministre est testé positif à ces poisons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si effectivement, s'il nous faut nous inscrire dans la logique... Faisons une analyse, une étude, tout à fait. S'il faut que nous nous inscrivions dans la logique, selon les résultats effectivement, qui avaient été donnés par la police scientifique, après différentes enquêtes, ayant révélé que le bureau, n'est-ce pas, du ministre d'État a été... vraiment est touché, était vraiment empoisonné. Vous savez, c'est triste. C'est triste parce que il est tout à fait inimaginable, n'est-ce pas, que les gens se permettent, que les gens poussent leur outrecuidance pour vouloir attenter à la vie d'un acteur politique, d'un membre du gouvernement qui n'est là que pour faire son travail. Et là, ce n'est pas aussi bien, parce que pour quelle bonne raison, quelle est la motivation, n'est-ce pas, derrière tous ces actes insipides, ces actes qui ne nous permettent pas d'avancer? Il faut permettre à chaque personne, à chaque acteur, de jouer effectivement son rôle. Parce que le patrimoine commun que nous avons, c'est la RDC. La population est en difficulté. Il y a aujourd'hui des arrestations arbitraires, n'est-ce pas? Des arrestations arbitraires. Et c'est aussi l'un des problèmes très sérieux aujourd'hui qui s'observe dans les domaines de la justice. L'arrestation arbitraire. Donc, aujourd'hui, que l'on puisse se soumettre à l'esprit de la loi, mais
les personnes ou les animateurs de la justice font combien vraiment les semble. Non. Il faut que les animateurs, les acteurs de la justice arrivent à appliquer effectivement la loi. Se soumettre à la seule autorité de la loi. Alors, je ne vois pas l'intérêt pour lequel les gens peuvent vouloir attenter à la vie du ministre. Vous êtes un ancien membre du cabinet d'un ministre. Parlez-nous d'abord de la sécurité des cabinets des ministres. Vous êtes un ancien membre d'un ministre d'État. Là, je cite la ministre princesse Adèle Kaïnda, la ministre honoraire. Alors, vous êtes un ancien membre du cabinet. Vous connaissez quand même comment est-ce que les différents cabinets des ministres sont sécurisés. Est-ce, prenons le cas du cabinet de Madame Princesse Adèle Kaïnda Mayina au gouvernement Samalou Kondé, est-ce qu'un corps étranger peut venir empoisonner le cabinet de la ministre? C'est une question tout à fait complexe, mais je crois que ça nous pouvons au moins dire quelque chose là-dessus. Le cabinet est organisé. Il y a effectivement les services de protocole. Oui. Qui sont là pour identifier, n'est-ce pas, tous les courriers entrant, n'est-ce pas, ou toutes les personnes qui entrent et qui sortent. Quand il y a un corps étranger, n'est-ce pas, qui arrive à un cabinet, il s'annonce au protocole, n'est-ce pas, et vous savez effectivement comment les choses se passent. Les protocoles l'enregistrent s'il s'agit effectivement des dépôts du correspondance, des courriers. Ici, nous parlons les heures du soir. Les cabinets est fermé, les membres de sécurité sont là et il y a un corps étranger qui arrive pour empoisonner même la table de la ministre d'État de portefeuille. Non, là, ce qui est vrai, non. Bon, si des choses pareilles arrivent, il fallait qu'on puisse interroger bien ce qui était commis à la garde. À la garde, voilà. Ça, c'est tout à fait logique. Mais nous, effectivement, pour voir comment ma princesse travaille de façon rigoureuse et puis elle a laissé les empreintes au portefeuille. Et aujourd'hui, si vous passez au ministère du portefeuille, vous trouverez qu'il y a les dispositifs des caméras de surveillance bien installées. C'est pour éviter que pareille chose effectivement ne puisse arriver parce que nous savons ce que nous disons. Vous arrivez même de loin, nous savons ce que nous disons, c'est parce que dans ce pays, il y a des oiseaux de mauvais augure qui sont contre la vision du chef de l'État et qui ne sont pas effectivement d'accord avec les gens qui brillent par l'excellence dans leur secteur bien déterminé. Mais ce qu'il faut aussi dire dans un à ce niveau des choses, c'est que les ministres d'État, n'est-ce pas, ministres de la justice, doivent surtout mettre à profit les cadres de concertation qui existent pour favoriser, n'est-ce pas, la quiétude au niveau de son secteur et surtout travailler pour la promotion de la justice, arriver à résoudre le problème qui gangrène, le mot qui gangrène, qui ronge la justice. C'est très important parce que aujourd'hui, vraiment, notre justice éprouve beaucoup de difficultés. Mais si il arrive effectivement qu'il y ait, n'est-ce pas, effritement entre les acteurs qui sont censés intervenir pour guérir effectivement la maladie, cette maladie qui a longtemps infecté ou affecté effectivement la justice, c'est vraiment un problème. Vous savez ce que je peux vous dire, n'est-ce pas? Ce que je peux vous dire, oui. Il ne faut pas qu'il y ait effritement entre les autorités. Parce que quand tu as effritement entre les autorités, ça crée un véritable grippage des rouages et ça va vraiment causer beaucoup de difficultés. Et c'est le peuple effectivement qui va perdre ou qui sera vraiment perdant. Alors, très bien, merci beaucoup. Nous allons mollo pour chiter. Je vous reçois pour juste 2 à 3 minutes pour finir sous casquette de secrétaire national
chargé des questions communicationnelles du parti politique ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, de la princesse Adelka Indamaina, députée nationale élue de la circonscription électorale de Sandoa au niveau de la province de Lualaba. Alors, messieurs, Dieudonné Panou, parlons d'abord de ALDEC. ALDEC est maintenant à quel niveau? Quelles sont les activités organisées sur terrain, sur le territoire national? Qu'est-ce que les Congolais Bakouki qu'on retenir de ces partis politiques? Ok, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, parti cher à ma princesse Adelka Indamaina, députée nationale, élue de Sandoa et ministre d'État, ministre honoraire du portefeuille. ALDEC se porte très bien. ALDEC aujourd'hui est en phase de la redynamisation de toutes ses bases, parce que ALDEC, comme tout parti politique qui se respecte, se prépare aujourd'hui pour le prochain échéance électorale qui sont effectivement en pleine donc à l'horizon de l'horizon 2028. Oui. Et là c'est tout à fait normal. ALDEC poursuit toujours avec son travail, sa politique. La princesse Adèle, candidate président de la République pour 2028. Non, qui vous a dit ça? Parce que mais elle doit aussi avoir des ambitions, non? Non, mais nous travaillons avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État. Nous sommes dans sa vision. Mais le président de la République ne sera pas candidat en 2028. Pourquoi, mais pourquoi ne pas aller jusqu'à ce niveau-là de postuler comme candidate présidente de la République pour Madame Princesse Adelka Indamaina? Jusqu'à présent, ces ambitions n'existent pas. Je ne sais pas, mais c'est que je peux vous dire que ce n'est pas seulement la présence qu'on peut servir le pays. On très peut bien servir le pays en étant député national. Très on bien. On peut servir le pays en étant ministre d'État, en étant tel. À n'importe quel niveau, on peut tout servir le pays. C'est que là, c'est merci la volonté, beaucoup, l'amour de servir le pays qui compte. Merci beaucoup à messieurs Dieudonné Panou qui était notre invité spécial de cette deuxième édition animée présentée par Jésus Yankolé. Merci beaucoup de nous suivre de partout. Il y avait une autre thématique non exploitée concernant la guerre à l'Est et aussi le prouesse des Ouazalendo. Mais nous allons revenir avec fort détail de cette matière, même à la troisième édition, toujours aujourd'hui, à mardi 10. Alors, portez-vous bien, à tout à l'heure. Merci.